voulais vous dire que quelques mots ce soir. Jean-Claude a déjà dit beaucoup de choses. Je pense qu'on est tous indignés par cette conférence horrible qui a lieu pour blanchir une armée qui massacre les Palestiniens et qui massacre les Palestiniens depuis très longtemps. Ça fait 100 ans que la déclaration Balfour a partagé la Palestine et a donné le moyen à Israël de construire un État. Ça fait 70 ans que l'État d'Israël a été construit et sur 70 000 à 80 000 Palestiniens qui ont été chassés par cette armée soi-disant morale. Et ça fait 40 ans que la Cisjordanie a été annexée et les colonies continuent de se développer et les Palestiniens sont étouffés, ne peuvent plus vivre. Eux, ce qu'ils veulent simplement, c'est leur droit. C'est le droit à leur terre, c'est le droit à leur vie, c'est le droit d'aller à l'école, de pouvoir élever leurs enfants, construire leur maison, etc. C'est le droit d'avoir des droits égaux aux Israéliens, le droit de vivre avant tout. Ce soir, on est là pour manifester notre mécontentement par rapport à ces pressions qui ont lieu pour empêcher le peuple palestinien de se prononcer pour des droits égaux. Laissez tranquille ces pauvres militaires. Notre tract que vous trouvez ici a été lu très attentivement par tous les gens à qui on l'a distribué et qui nous ont beaucoup applaudi à ce qu'on faisait. Aujourd'hui, nous devons continuer les pressions, continuer la campagne de boycott, désinvestissement, sanctions contre la politique israélienne d'apartheid et de colonisation. Merci.